2 ans que j'explore le monde. 2 ans que je crée, j'improvise, j'essaie, je me trompe et je recommence. 2 ans que je suis seul derrière la caméra. Mais l'instant d'une semaine dans les Alpes, je ne suis plus seul. Et je m'essaie avec 2 autres voyageurs, 2 créateurs d'exception, sur une montagne près de la Clusaz. Une nuit, une petite parenthèse, où nous avons décidé de vous livrer tout. Toute cette chaîne-là, cette pelouse et tout, la moine, là, ça va être vraiment beau. Le plan, il était simple. 3 amis et 1 husky, 3 GH5 et une montagne qui n'appelle que nous. Une nature élémentaire et belle, couverte d'un manteau neigeux. Donc on a potentiellement une dizaine d'heures de marche. Voilà. Entre 10 et 12 heures. Putain, ça va. C'est vrai. Les gars, ça va être chaud. C'est chaud, ça. Voilà, c'est chaud. Les Alpes, elles m'ont rappelé une chose. Parfois, tu vois des paysages de ouf à quelques kilomètres de chez toi. J'avais bien choisi mon équipe et ils m'ont tous les deux bluffé. Justin, par son efficacité à rebondir sur des situations inattendues, prend du recul sur les dangers, mais surtout par les petits conseils qu'il te donne et qui font la différence. Mon sac est plus léger parce que ma tente fait 1 kg, ta tente fait 2, mon duvet fait 800 grammes, il fait le type. Ah ouais, donc prends mon sac si tu veux. Et lui, Tortuga, ce mec a un sang-froid à toute épreuve. Et je crois pas l'avoir entendu une fois se plaindre. Une réelle force de la nature. La nuit tombe et les degrés dégringolent. On s'est alors mis devant le feu, on a laissé tourner nos caméras et voilà. Voilà ce qui s'est passé ce soir-là. Quand on était au Pakistan avec Bi, il y avait quelque chose de très drôle, c'est qu'à un moment on traversait une région très dangereuse, une zone, une vallée, et il y avait des potentiels talibans. À l'aller dans cette vallée, on avait un garde avec nous. D'ailleurs, c'était très très spécial d'avoir un mec avec une calache à côté de moi pendant que je conduisais. Et un jour, on repasse dans cette vallée et le mec me dit : « Je suis désolé, là je suis complètement busy, quoi. J'ai trop de boulot. Traverse la vallée en solitaire et vous roulez, vous n'arrêtez jamais votre véhicule et vous passez les 10 km dangereux et puis après ça sera bon. » On commence à rouler dans cette vallée et puis c'est une côte. Une montagne vraiment importante. Et tu sais, mon 4x4, il est un peu vieux, je passe la première, je monte, je suis à 2000 tours en première, ça fait un bruit de ouf. Et je dis à Bi, ok, j'espère que tout va bien se passer. Et j'avais vraiment peur, tu vois. Et puis d'un coup, j'entends, PAM ! Et je me prends quelque chose dans le pouce. Mais je te jure, un éclat. Et je dis à Bi, moi je panique assez rapidement. Et je dis à Bi, putain Bi, ça y est, on est touché, on nous tire dessus, il y a quelqu'un qui nous tire dessus, tu vois. Et c'est la panique. Et Bi, elle cherche. Et en fait, quand je panique, j'ai tendance à la disputer un peu. Je dis, vas-y Bi, trouve le tireur. Et moi je continue d'avancer avec le 4x4. J'accélère à fond, on doit être à 4000 tours en montée, tu vois, mais vraiment grosse montée. C'est une vallée où tu es à plus de 3500, 4000 mètres, donc c'est assez hard. Ouais. Et en fait, on se rend compte, et Bi explose de rire, qu'à l'arrière du 4x4, on a un paquet de chips qui est ouvert. Et en fait, il avait gonflé avec l'altitude. Putain. Et je me suis pris une chips dans le pouce. Et en fait, tu sais, c'est comme tes birements. Juste le fait de me dire, je suis dans une zone dangereuse, je psychotais. Et en plus, le fait de recevoir quelque chose sur moi, tu sais, ça m'a piqué. Je me suis dit, ça y est, je me suis pris une balle. Je me suis pris un impact de balle dans le pouce, tu vois. Incroyable. Putain. Et cette histoire, Bi, elle se moque trop de moi. Elle avait eu peur, mais si tu veux, ma réaction, là, elle s'est dit, mais merde. Ouais, voilà. Ouais, okay. Tout non. Ça parce que j'avais fait l'aller avec un mec armé et le retour sans, et j'ai psychoté sur le danger. Ah putain, alors attends, parce que juste un truc rapide,
entre nous. Qui vient avec ça. Parce que du coup, ouais, il y a un truc qui vient avec ça et que j'avais pas du tout pensé. Enfin, cette histoire m'était complètement sortie de la tête. C'était aussi en Birmanie, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Comme Justin, c'est un truc de ouf. Trop drôle. On est en train de faire la randonnée de Kyokume. Non, c'était pas Kyokume, c'était la célèbre. Le Inel Lake, la célèbre randonnée. Et il y a un soir, on est arrivé dans un petit village très, très local. Et il y avait des petits enfants qui jouaient au foot pieds nus et tout. C'était incroyable ce petit village. On arrive, on dormait aussi à même le sol. Et en fait, le soir, il y a une petite fête du village. Donc on y va tous, il fait très sombre. On ne voit pas où on marche, etc. Moi, j'étais en tongs. On marche et on va voir cette petite fête du village. Et en fait, en rentrant au chalet, en fait, j'ai eu la dengue hémorragique au Cambodge. J'ai chopé cette dengue. C'est une maladie qui se transmet par le moustique. Et j'ai été hospitalisé au Cambodge. Et en fait, cette maladie, elle fait en sorte que ton sang, il coagule plus rapidement. Il devient liquide. Comme une taupe. Voilà, c'est ça. Et toi, un vaccin de secours dans les 24 heures et tout ça, enfin, c'est le bordel. Ouais, sinon, c'est antibiotique ça. Derrière. Mmh. Et tout. Là, c'est le kiné qui parle. Ouais, on a le docteur avec nous. Non, la dingue, même en Martinique, tu peux la choper maintenant. Putain, c'est chaud. Et on va se coucher. Et là, il y a mon pote. Il me regarde. Il regarde mon pied. Il dit, Mathis, regarde ton pied. Regarde ton pied. T'es plein de sang. Et je regarde, j'avais rien senti. Hein. Je regarde et j'étais plein de sang. Mais vraiment, il y avait deux croûtes là et du sang plein le pied. Je dis, merde. Et je me suis dit, putain, alors soit je me suis fait mordre par un serpent. Et avec le venin, j'ai rien senti. Ouais. Ou soit je me suis transpercé le pied, quelque chose comme ça. Et j'ai rien senti parce que j'ai eu la dengue hémorragique. Et juste, ça coule énormément, mais c'est pas si grave que ça. Le guide, il arrive et dit, putain, est-ce que t'as mal? Je dis non, j'ai pas mal. Il commence à foutre de l'eau. Il dit, tu sens rien? Je dis non, je sens rien. Il dit, ok, on était paniqués. Vraiment, c'était rouge. Il prend un mouchoir, il fait comme ça, il n'y avait plus rien, il se tape une énorme barre, il ramasse un petit fruit rouge par terre et il dit c'est ça. Oh, et il dit quand on était. Oh, et il dit quand on était enfant, on joue tous avec ce fruit-là. Je ne sais plus c'est quoi le fruit, mais parce que c'est exactement comme le sang. Et en fait, la peau, ouais, et la peau du fruit avait fait les croûtes. Putain, mec! Je pensais que c'était vraiment. Ouais, ouais, moi je pensais que là t'allais nous dire j'ai été dans un hôpital, c'était la merde. Alors, rien à voir, en fait je suis une grosse tafiole. J'ai pas fait acte de foi comme ça, souvent, et encore moins en Amérique du Sud. Et on parle de providence et tout, hein. Et là-dessus je pense que je dois confesser quelques trucs. Il y a eu un soir où on était à la frontière entre l'Argentine et le Brésil avec Mathias, mon pote qui m'accompagne pour pas mal d'aventures. Et on était à Foz de Iguaçu, et c'est la ville qui est à côté des magnifiques chutes d'Iguaçu. Et j'en suis vraiment pas fier. On dormait dans une auberge de jeunesse, le mec était très cool et tout, belle auberge de jeunesse, repérée sur le routard et tout, très chouette. On part en soirée avec deux chiliennes. On commence à danser toute la soirée, fiesta loca et tout, enfin c'était super. Comme à mon habitude, je vais me coucher très tôt. C'est-à-dire que sur les coups de 2-3 heures, moi je rentre, parce que j'y arrive plus. Et je rentre tout seul, mais je rentre avec pas mal dans le sang, on va dire. Et j'étais plein comme un lardon, comme un ballon. Et j'arrive à mon auberge de jeunesse, j'ai pas les clés, j'ai pas le pass, j'ai rien. Et là je fais putain, je tape partout, je tape au carreau et tout. Donc t'imagines le mec titubant qui tape partout, qui tape au carreau. Rien à faire, je fais du bruit et tout. Et là, je vois sur le côté, il y a comme un petit escabeau, un petit truc où tu peux monter. Je monte et je me fais une fixette dans ma tête et je me dis, ok, je vais monter. Je vais réussir à regagner mon dortoir et je vais monter par le toit et redormir, tout se passera bien, tu dormiras. Je commence à monter et tout. Donc à l'époque, j'avais encore mon bras qui sortait d'opération. Je monte comme un con sur le truc. J'arrive sur le toit et là, j'entends le mec en bas gueuler en espagnol. Je redescends, je me fais engueuler, je comprends rien, il m'ouvre la porte, je vais dormir. Et puis voilà, basta, la nuit s'arrête là. Et je me fais réveiller par le gérant qui me regarde comme ça et qui me dit « You, we have to talk. » Et je me réveille en panique comme ça avec le cœur qui fait « Oh !» comme ça. Je pense, puis tu sais, pas très net et tout. Et je fais « Mathias !» Mathias qui dormait en dessous de moi, je fais « Putain, qu'est-ce que j'ai fait hier ?»
je sais pas gros, vas-y dors et tout, je sais pas gros, et il se couche. Je me réveille, je prends mon petit déj et le mec me dit, tu te rappelles d'hier soir? Je lui dis non. Il me dit, tu as essayé d'escalader le toit? Je suis désolé. Il m'a dit, quand tu as escaladé le toit, je t'ai entendu à ce moment-là. Le gars de l'accueil, enfin le gérant de l'hostel. Il m'a dit, je t'ai dit de redescendre parce que c'était dangereux pour toi et tu pouvais tomber. T'es redescendu, t'es allé te coucher. Et dès que t'es revenu, la police est arrivée derrière toi. Il me dit, quand t'es arrivé en fait et que t'as gueulé devant l'hôtel et que t'as essayé de monter sur le toit, les voisins ont cru à un cambriolage et ont appelé la police. Donc faut savoir que la police en Argentine, c'est des cow-boys. Voilà, ils arrêtent qui ils veulent et tout, ils font la loi dans les rues. C'est corrompu un peu là-bas, non? Je sais pas si c'est corrompu, mais en tout cas, ils étaient vraiment très secs apparemment ce soir-là. Et ils ont dit, il y a cet énergumène là dans la voiture de police qui a essayé de rentrer par effraction dans vos murs. C'était un mec lambda dans la rue. C'était un Argentin qui se baladait par là au mauvais moment. Merde. En fait, je suis rentré au moment où le mec dans la rue arrivait. La police arrivait, ils ont interpellé ce mec-là pensant que c'était lui, le malfaiteur, qui avait essayé de rentrer. Et le mec de l'hôtel me dit, il y a quelqu'un à l'heure actuelle qui a porté le chapeau pour toi et qui est en garde à vue. Putain. Il est sorti, il me l'a dit, après t'inquiète, il va aller là-bas, ils vont mettre une main courante, quelque chose, il va sortir, c'est tout. Mais quelqu'un à cause de moi, parce que j'étais très saoul, est parti au commissariat, quoi. Oui, ça me fout mal. Et j'étais vraiment, vraiment bête. Vraiment, vraiment bête ce soir-là. Ils inventent des temps de 2 secondes et pas des sacs de couchage de 2 secondes. Avec mes deux potes, j'ai compris une chose importante. Mes souvenirs sont mes plus grandes richesses. Et elles remplaceront jamais une photo ou alors une vidéo que j'ai pu prendre. Autour de ce fond, c'est simplement mis à nu. Et je dois dire que leurs histoires, elles étaient incroyables. D'ailleurs, je vous invite fortement à vous rendre sur leurs deux chaînes. On n'a pas du tout travaillé de la même façon pour ces 3 rendus de vidéos. Et ils ont 2 autres récits que vous ne devez pas louper. Et quant à moi, je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos de voyage. Et il y a ce mec, un ladyboy, qui m'a pas lâché de la soirée. Bah, un ladyboy, ouais. Dès qu'il te met un grappin dessus, t'es foutu. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Toi, tu t'y connais, Justin? Non, pas trop. Et je me suis dit, putain, alors soit... je me suis fait mordre par un morsure. Et avec le venin, j'ai rien senti. Et en fait, on va dans un restaurant, tu vois, et plus on marchait, donc on marchait dans la rue, faible éclairage, plus je me dis, tiens, je pense que cette femme... Et on arrive au milieu de ce lac. Et mec, là, je te jure, en plein milieu du lac, comme une barre comme ça, d'un coup, genre...